Hello, salut tout le monde, c'est Empereur Ghost et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu de Rome Total Wars. Donc Rome Total Wars, si vous savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller regarder des vidéos sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos qui tournent sur ce jeu. C'est un jeu qui est vraiment pas mal, qui moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Ça fait maintenant pratiquement un mois que j'y joue régulièrement, voire peut-être non-stop. Donc j'ai préféré commencer par apprendre un peu plus de jeu avant de faire une vidéo. Et maintenant que c'est fait, du moins que je me suis assez instruit sur ce jeu, c'est parti, on va commencer une campagne et on va la suivre, enfin je vais faire une vidéo sur tout le long de la campagne. Enfin des vidéos plutôt, une série sur toute la campagne. Donc comme campagne on va choisir la maison des Julie. Donc c'est parti. Voilà, donc là il y a le prologue, la partie qui effronte son ennemi en est voilà. Magnifique. Alors ça commence. Donc attribution d'une mission du Sénat, prendre une communauté, ses gestes, limites, 10 tours, vous serez grandement de récompenser. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Allez, c'est parti. Donc donc là c'est chef de faction, donc là c'est Flavius Julius. Là, Vibius Julius. Ça doit être l'héritier de la faction, Lucius. Et ici on a Quintus Julius. Donc là j'ai mon espion. Et donc je dois choper ses gestes en gros. On va accélérer par contre les mouvements. Par contre je suis pas très fluide. Donc alors attendez, je vais essayer de... Oh, c'est pas grave, il n'y a pas les ombres. Je vais essayer de faire un maximum, enfin de faire en sorte que ça soit le maximum fluide, un maximum fluide du moins. Alors, ouais, bon là c'est bon normalement. ouais d'accord. Donc déjà, je pense qu'on va faire ce qu'on va combiner les armées. Alors moi ce que je fais tout le temps c'est que je laisse, je crée de la garde civile et je laisse la garde civile diriger les villes. Je laisse pas de grosses unités dans les villes, je préfère laisser la garde civile gérer le maintien de l'ordre. Donc comme c'est la maison des Julie, on va prendre Jupiter. Cela semble normal. On va commencer le siège. Ah, je peux déjà attaquer? Ah, ils ont pas de force, ils ont pas de muraille. What the fuck? Ok, bon, pas grave. On va lancer l'assaut direct. On va pas attendre les renforts ou quoi. 121. Ah bah là, vu comment le pourcentage est, je pense qu'on va faire... ouais voilà, ça c'était un peu sûr on va dire. Ils sont contents. Je pense qu'on va plus se servir. Alors généralement dans les contrées lointaines, 5000 deniers, ça c'est bon ça. Dans les contrées lointaines, généralement quand je conquis des villes du style jusqu'en Espagne ou même jusqu'en Bretagne, Britannia, comme il l'appelait Romain. Généralement j'extermine la population pour vraiment montrer que je ne veux aucune révolte. Sinon ils savent ce qu'il en coûtera. De défier Rome. Oui, capitaine. Bref. Va falloir aussi. Donc les objectifs un peu. J'ai oublié de vous parler un peu des objectifs. Les objectifs de cette campagne principalement, du moins les objectifs de début. On va monter les impôts. Les objectifs de début sont de prendre toute la Gaule, toute la Bretagne, la Grande-Bretagne.
Et toute l'Espagne. Voilà. Voilà. Pour le moment, j'ai uniquement ça comme, comme projet. Alors, par contre, je vais commencer direct par monter les impôts. Je vais commencer direct par former des baraquements, des petits trucs de miliciens, des ports, etc. Je vais commencer direct par me créer une vraie force. Une vraie armée, on va dire. Je pense que je vais prendre d'abord ici. Bon, bah là, comme c'est le premier tour, il n'y a pas trop de choses à faire éventuellement. Donc, il n'y a pas trop de choses à faire. Le diplomate, moi, il se trouve que je m'en sers, mais alors pratiquement pas. Ce que je vais faire au pire, c'est que je vais aller voir les Macédoniens pour leur demander une alliance. Et je pense que c'est la seule forme de diplomatie, la seule chose diplomatique, il me semble qu'on dit. Je suis pas sûr. Bref, c'est la seule chose que je ferai avec mon diplomate, en gros. Déçu Julie, la 17 ans, Marc Julie. Amulius, Manius, j'ai une fille aussi. Pour le moment, ma descendance est assurée. J'ai 4 descendants directs de... Enfin, voilà, quoi, des Julie. Mon héritier, donc c'est lui, d'accord. Alors là par contre je vais changer. Bon, on va passer le tour et je vais changer quelques petites choses au niveau du contrôle de ville. Les Gaulois me demandent le droit de commerce. Ce que je vais leur refuser. Narbomathuis. Quoi? Ils sont sérieux là? Ils veulent que je chope Narbomathuis? Mais c'est des fous. C'est super loin Narbomathuis. Ils ont craqué dans leur tête. La maison XP, la maison XPQE, et le Sénat ont décrété qu'ils étaient en guerre avec les cités grecques. D'accord. Ici, c'est en train de se faire. Là, les gardes civils prennent progressivement le contrôle. Mais je vais le laisser là, remarque. Bah ouais, que je suis con. Eux, on va les laisser ici. Et lui, je vais l'envoyer attaquer Patavium. Patavium, apparemment, il y a une petite armée, donc rien de très gros. Malheureusement, je peux pas recruter en plus. Ça, c'est la misère. Ouais, il faut que j'attende un peu avant d'attaquer. Il faut que j'attende un peu. Pour le moment, je vais garder le... Le bateau assez proche des côtes afin d'éviter le blocage de mon port. C'est geste, palissade en bois terminée, parfait. Garde ses fils. Ils ont modifié. Et c'était grec, ce sont des carrières gardes, donc là il manque plus que moi. Pour que la cité grecque soit dans la merde, on va dire. Oula, what the fuck. Ça, j'aime pas ça par contre. Ouais, ça j'aime pas, mais alors pas du tout. Alors d'habitude, j'ai l'habitude de mettre au moins 6 unités de garde civile. Enfin, six unités de garde civile, on va dire, c'est comme ça. Dans chaque ville. Et ensuite je les renforce plus tard, je les renforcerai une fois qu'il y aura vraiment du monde, etc. Je mettrai des auxiliaires ainsi que des cohortes légionnaires de la République pour une meilleure défense des villes. Mais bon, ça c'est plus tard, on n'en est pas encore là. Votre Oh la... Oh, les...
What the fuck, c'est quoi cette unité? Enfin, c'est quoi ce... Si je veux, je les attaque maintenant, je les... Je peux les réduire ensemble. En cendres. Oh, la puissance. Ouais, par contre, il n'y a pas de pont là ou... Non, on dirait qu'il n'y a pas de pont. Bref. Pas trop trop de choses à faire. Là, les baraquements des miliciens sont pas encore terminés. Ah. Là, si, par contre, j'ai l'impression que c'est terminé. Je vais me concentrer sur le renforcement de mes villes aussi. Jupiter, Jupiter, Jupiter. Non, je perds de l'argent. Et j'aime pas perdre de l'argent. Bref. Général, empereur, 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 général. Ouais, je peux pas en fait. Faut que j'attende. J'ai déjà commencé à balancer une unité quand même. Histoire de voilà quoi. Là c'est en train de produire. Ici c'est le même. Bon voilà, pour les débuts il n'y a pas grand, il n'y a pas beaucoup de choses à faire donc on passe assez vite. Sont les villes macédoniennes. Macédoine, elle est où? Normalement elle devrait être dans le coin là il me semble. Ah je crois que c'est là non. Mais non c'est cité grecque là normalement non. Ça c'est le couleur de la Macédoine normalement. Ici. Moi j'essaye d'aller voir là. Je pense que ça doit être là la Macédoine à peu près. Je sais pas exactement. Ah, des rebelles. Alors, parfait ça, je regagne de l'argent. Empire saoudite et l'Égypte se sont déclarés la guerre. Magnifique. Là, c'est bon, c'est parfait, glac. Je peux les réformer? Oui, je peux les réformer. Parfait. Hop. Ah. Un homme pour mon... pour ma fille, pardon. Ouais, bah ouais. Trop en commandement, en gestion. Il a 16 ans à peine. Excellent commandant, bureaucrate. On va te dire non. Cérémonie de mariage. Le premier non Julie de la famille. Ouais, voilà, hop. Hop, hop, hop. On part rejoindre lui. Histoire de faire une... What the fuck? Pourquoi je l'ai pris avec moi lui? Je voulais pas le prendre avec moi. Bon. Ce béton, on va le prendre quand même. Stop!
une sauvegarde, mais bon, c'est pas... Ça va vite être renfoué. Ouais, c'est bon, allez, hop. Hop. Clac, clac. On va faire un camp. Ce camp va me servir par la suite pour créer mes futures grosses armées. Hop, hop. Pour éviter qu'ils disparaissent, je laisse toujours une garde civile à l'intérieur. Là, s'il y a une montée des eaux, je donne pas cher de ma peau. Il y a un des Juliers qui vient de devenir majeur apparemment. Il est où? Il est là. Amelius Julius. Alors on va le laisser là pour le moment. Je pense même pas, on va le prendre à réduire. On va créer des routes, parce qu'on en a extrêmement besoin des routes pour aller plus vite. On passe. Ah bah ils sont les macédoniens. Quoique je pourrais déjà prendre ça en fait, ici. Ah bah je vais faire ça. Avec une faction neutre, hop. Je suis un bélier, je suis un siège, je perds moins 3000, waouh, là tout le fric que j'ai perdu. C'est pas grave, je vais en gagner de toute manière une fois que j'aurai pris la... Par contre je sais que le Sénat m'ont donné la mission de choper Narbomachus, mais bon c'est un peu trop loin donc je vais éviter. Pour le moment, je préfère éviter. Et de plus j'emmerde le Sénat. Je vais leur parler. Lui on va le mettre là. On va aller créer des troupes, on va aller en envoyer. Une fois qu'on aura l'argent. Apparemment il y a un fight. Ils sont moins que nous. Ouais, bon, on va tester, on va tenter. On va faire la bataille, notre toute première bataille. Et je pense que on va se quitter après la prise de cette ville que j'étais justement en train d'assiéger. Je pense à peu près normalement faire les épisodes de 30 minutes. Bon là j'ai pas. J'ai oublié de chronométrer le sang. Malheureusement pour la première vidéo. Petit fail. Bon. Pour la prochaine je ferai attention. D'accord. Alors on a les statis. J'ai pas d'archer. Si ils sont là, les archers. Merde. Toujours de côté. J'essaie de faire une formation assez standard. Voilà. Donc là on met une ligne de face. On met des unités penchées sur les côtés pour éviter
les prises par les flancs. Et deux unités en renfort derrière si jamais les premières unités lâchent, avec des archers juste derrière, des unités sur le côté qui vont aller titiller l'ennemi un peu, et la cavalerie juste derrière en cas de problème. Alors, j'ai pas mis la caméra unité, je crois. Ouais, j'ai pas mis d'autres victimes. Caméra unité, donc ça c'est bon. Lol, leur chef il est derrière moi. C'est le cas, je vais aller le direct le démonter avec ma cavalerie, je crois. Alors, là c'est des lanciers à première vue. Alors là, si j'envoie ma cavalerie juste en face d'eux, ils vont se faire littéralement anéantir. Ils ont deux cavaleries et des mecs qui tirent des piquets pareil que moi. On va aller commencer à les faire ça. On va les faire courir. Mais ouais. Il y a leurs unités là-bas. Ils sont complètement cons, en fait. Boum. Hop. Alors attends, comme ils ont vu qu'ils avaient de la cavalerie, mes triari, je vais les placer au niveau de là. On va changer. Il faut vite que je change par contre. Au niveau des flèches, je vais mettre des flèches fire. Là, j'ai deux cavaliers qui rush sur leur chef. Si j'arrive à le buter, ça pourrait être pas mal. Yes, j'ai réussi à le buter, parfait. Le général ennemi est mort. Ses hommes. La peur. Loués soient les dieux. Le cœur des ennemis déborde de peur. Ouais, c'est cela, ouais. La cavalerie peut-être, mais les hommes à pied, ils s'enfuient pas. Je les mets de façon à ce qu'ils bougent pas. Comme ça, ça évite qu'ils rompent. Comme ça, c'est comme ça. Ça évite qu'ils rompent les rangs. Qui courent dans tous les sens et qui voilà quoi. Allez, tirer. Là, je suis en train de faire un peu de vraie catastrophe dans leur rang avec mes archers. Ils ont encore pas mal de flèches à tirer, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de ma cavalerie, ils ont terminé avec eux ou pas? Oui, ils ont terminé. Je les envoie très vite. Retourner dans une bataille. Ils vont s'occuper de eux là. Donc nous avec nos boucliers ne font pas trop de dégâts je crois, il me semble. Lui c'est un vrai Julie, donc je vais éviter de le sacrifier. L'un de mes objectifs aussi est d'assurer la descendance Julie. Alors s'ils foncent sur les triaris, je vais rigoler avec leur cavalerie. On va s'amuser. Voilà, donc là l'unité attend des routes. Je peux repartir. Chez moi on va dire en quelque sorte. De plus, je vais attaquer les personnes qui sont là-bas, qui n'arrêtent pas de poursuivre mes unités. Là-bas. Mmh.
Merde, la cavalerie mon général est pratiquement démontée. Faut absolument pas qu'il crève. Merde, ils sont en déroute. Ce comportement est indigne d'un au moins, il n'est pas mort, donc ça, déjà c'est bon. Au moins, il n'est pas mort. Ma deuxième unité. On va se concentrer sur cette cavalerie là. Non. Ouf, oh, j'ai eu peur là. Merde. Ça par contre c'est pas bon, mais alors pas bon du tout. Allez, courez, bougez-vous du trierie. Première vue, ils sont partis en déroute, d'accord. C'est magnifique. Moi, il y a mon général qui a quitté le champ de bataille. J'ai deux armées en déroute. Normalement, je suis maintenant sûr que je gagne la bataille. On va essayer de faire un petit truc avec les trieries là. Et les lances. Waouh. Petit lag. Et voilà. Je suis en train de littéralement anéantir la gueule. Ah ouais. Me concentrer un peu sur leur... On va aller sur eux. Le général, je vais le garder ici. Hein. Il faut absolument éviter qu'il crève. Bon, je vais terminer ce moment. 283, c'est parfait. Bon, j'étais quand même mieux équipé qu'eux. C'est ça, je pense. Et j'étais aussi... plus nombreux que moi je me tiens. Bah, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai gagné quoi. Ils sont contents. On va servir la population. Ils ont assis. Ah, oh lol. Ouais, alors ça par contre j'aime pas. Apparemment je me fais. Hop hop. Donc je gagne du fric. Fonction sénatoriale attribuée. Dans leur grande sagesse, les nobles sénateurs de Rome ont décidé que votre faction n'est pas encore digne de ce lol. Je vais leur démonter leur gueule, ils vont voir un peu. C'est de merde. Alors. Donc là apparemment je me fais assiéger ici. C'est le point bien grave. Ça par contre j'aime pas. Alors pas du tout. On va utiliser son diamant. Hop.
Voilà. On repousse. Histoire qu'il me fasse pas chier. On va augmenter les impôts. Voilà, donc j'ai pris la ville. Hein. Donc pour cette première partie, j'ai réussi à conquérir deux villes. Je me suis constitué une toute petite armée pour le début. Bref. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao.